Bien, pour cette séquence de tai chi, nous allons commencer en simple fouet. Simple fouet donc de style Yang ancien, avec la main de l'aigle ici, hein, la main crochée en forme d'aigle, hein, avec la serre de l'aigle ici, le pouce et l'index reliés. Et devant, nous retrouvons la serre de l'aigle ici. L'idée de la serre de l'aigle entre le pouce et l'index dans la main qui est ouverte. La main yin, la main yang. La main qui est dressée vers le ciel, la main qui est tournée vers la terre. Observez la posture en style ancien, celle qui correspondrait à l'arc et flèche vers l'avant, qui se veut être un peu plus fléchie, voyez, au niveau de la jambe arrière. Hein. Style moderne, 108, yang chan, style ancien. Ce côté un peu. Vous voyez, la capacité de passer d'une jambe à l'autre de manière souple, un petit peu comme on le ferait dans la pratique du combat. Nous sommes quand même avec une tendance vers l'avant. Observez la main qui est face au cœur, celle que l'on appelle la main yang, et la main yin, celle qui s'éloigne de l'axe ici médian. Il y a toujours une main qui protège et une main qui s'éloigne, qu'on qualifie de main yang, de main yin. Parfois, il y a des mouvements exceptions où les deux sont au centre et des mouvements exceptions où les deux sont éloignés du centre, pour des raisons, encore une fois, énergétiques souvent. Ensuite, observez la tenue du dos. Toujours ce côté un peu dos en arc que l'on retrouve dans les styles traditionnels. Un petit peu comme on retrouve chez les boxeurs. Voilà, en combat, on est rarement comme ça. On est plus dans cette forme de corps refermé. Des coudes qui se rapprochent pour protéger le bas du corps, etc. Ce qui donne une attitude dans le dos un petit peu arquée. Mais vous allez voir que cet arc va vite disparaître à partir du premier mouvement. Donc il va y avoir une alternance dans le dos yin-yang. Ici, ça commence comme ça. Pour le mouvement de flatter l'encolure, en style ancien, nous partons légèrement en arrière pour redresser l'axe et donc le dos et effectuer une double pique ici des doigts. Okay. Donc nous avons ce mouvement dans un premier temps, avec un transfert dans la jambe avant pour avancer le pied droit qui va remplacer le pied gauche en quelque sorte. Donc ce pied droit va remplacer le pied gauche et le pied gauche du coup va pouvoir venir ici piquer. Pendant que je vais flatter l'encolure comme ceci. Vous voyez, beaucoup de notions d'équilibre en style ancien, que l'on a perdu ensuite dans le style moderne pour des raisons de simplification évidentes pour que tout le monde puisse accéder plus facilement au tai chi. Cette partie-là est déjà un petit peu exigeante en termes d'équilibre. Donc, face à vous ici. Vous avez ce premier mouvement avec une double pique, voyez, mais en s'en allant déjà. Voyez, je suis en train de partir vers l'avant, comme si j'esquivais un coup qui viendrait ici de la gauche, de la droite, pardon, pour moi, avec une pique ici latérale. Donc, la capacité à gérer deux attaques simultanées ici, et ici, je reviens avec l'adversaire imaginaire qui est face à moi, j'intercepte une attaque au bas-ventre et je contre-attaque à la gorge, ici, avec la tranche de la main. L'interception se fait en bas, avec pareil, bang, vers le bas. Okay. Donc ça fait 1, 2, 3. Notez ce côté enroulé du mouvement. Hein. Enroulé, fluide, l'eau qui se manifeste. Et ensuite, notez le contrôle du dépôt du pied pour venir appuyer et percer par-dessus avec la main gauche. Observez de nouveau la forme du dos, un arc. Alors que juste avant, nous l'avons perdu. Nous sommes partis dans un yin-yang du dos. 1,
le regard de l'aigle ici, large. Hein. Deux, trois, ici, quatre. Appuyez, engagez la hanche gauche vers l'avant, percez et revenez en engageant la hanche droite et le coude droit. Hein? En effet, après avoir intercepté ici, vous pouvez imaginer un coude-coude circulaire. Donc, parade, pique, coude, hein, éventuellement. Mais surtout, c'est aussi une façon de remettre votre main gauche sur l'axe, hein, ou plutôt votre axe revient sur votre main gauche. Hein, on n'est pas là, hein, pas de protection ici. Là, je prends le centre. Hein, on le voit tout de suite ici. Voilà. N'oubliez pas les spirales hein, à la fin. N'oubliez pas les spirales, quoi que vous fassiez. Hein, spirale. Spirale, spirale, spirale. Regardez cette main qui passe dans le poignet comme dans, hein, qui suit comme une rigole ici, hein, qui passe à l'intérieur et qui spirale par-dessus pour piquer. Voilà. Donc flattez l'encolure et la main qui perce. Forme O. Entraînez-vous à droite et à gauche. Très bon élément de progression. Comme un jibengong. Entraînez-vous à droite et à gauche. Replacez bien le dos, replacez bien l'axe, le centre. Attention à vos positions, arc et flèche. Sans jamais tendre au maximum. Hein. Gardez de la réserve. Des ressorts dans les jambes, du ressort. Entraînez-vous de temps en temps en forme saccadée, forme feu, mais petit. Hein. Le petit feu, pas le grand feu explosif avec des grands bonds. Petit feu, ici, pour faire du staccato. 1, 2, 3. Voilà. Entraînez-vous de temps en temps sur ce format.